Seconde partie de la vidéo, remontage du pneu sur la jante. Un peu de crème à pneus pour rentrer le premier flanc. Il rentre tout seul à la main, sans forcer. Donc le disque vers le haut pour bien positionner l'ouvre-boîte. On vérifie bien le sens de rotation. Il y a des flèches sur le flanc du pneu. Un peu de crème sur le second flanc. Les tongs, pas pour la moto, hein, seulement pour filmer. Donc on positionne bien l'ouvre-boîte. Bien prendre le temps de fixer la partie noire de l'ouvre-boîte. Il vaut mieux passer un peu de temps à bien l'ajuster que à recommencer trois fois car le pneu va sortir lors de la rotation s'il n'est pas bien mis. Donc on passe le pneu sur la partie la plus grosse de l'ouvre-boîte, sur l'outil noir, la partie la plus grosse ça doit être dessus, et dessous la partie la plus longue, fine. Ensuite il suffit de visser, sans forcer en principe. La principale astuce c'est de maintenir le pneu bien enfoncé à l'opposé de la partie noire de l'ouvre-boîte, dans la gorge de la jante. Et moi là c'est que sans tricher, c'est un pneu neuf, pas comme sur certaines vidéos sur internet où soi-disant c'est facile de monter les pneus au démon de pneus. Ils utilisent des pneus déjà usés. Et j'ai déjà essayé au démon de pneus, c'est vraiment difficile de rentrer un pneu neuf au démon de pneus sans massacrer la jante. C'est pas bien les fonds, ça, hein?